Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo du hooked. Le hook cette année, ça a été le meilleur hooked que j'ai jamais fait. Et franchement, j'ai fait les 5 hooked et j'ai jamais pris autant de plaisir, j'ai jamais vu autant de level et je me suis jamais autant amusé. Bref, on remonte dans le temps et là on se retrouve le premier matin du hooked. Là on s'est réveillé après la secret session et on était déjà surexcités. D'ailleurs, ça peut se voir à ce qu'on vlog parce qu'on vlog vraiment n'importe quoi et je vlog vraiment n'importe quoi parce que j'étais vraiment trop de bonne humeur et super enthousiaste. Eh, nous revoilà dans le jour 2 du hooked. Bonjour. Bonsoir. Ah ouais, putain, bonsoir. Regarde trop McFly et Kaito, regarde des bonnes vidéos, lui, ça change. J'avais très faim, j'avais pas à manger et Flo m'a dit qu'il me donnait la banane que si je vloguais, que je mangeais la banane. Voilà, donc c'est une banane pour que je fasse une bonne session et si je fais pas une bonne session et que je me blesse, c'est aussi de sa faute. Ça fait du contenu. Voilà, et du coup, quoi qu'il arrive, je mettrai son Instagram dans la description et je veux que vous allez tous l'insulter si je me blesse. Et si je suis guéri, vous allez mettre plein de cœurs dans ses commentaires. La banane binaire. La banane binaire. Soit je sinon... ruine ma carrière, soit je suis le meilleur. Et sinon, à part ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller hook, et il va y avoir du tricking, ça va être grave bien. Bah alors, à ce qui paraît, cette année, il n'y aura pas de tricks. Mais non. Hooked. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Il y a Laurent Rabiteau, il m'a envoyé un texto hier. Il a dit ouais, cette année par contre, c'est vraiment tricks. Laurent Rabiteau, c'est l'organisateur du hooked. Échasse, il y a aussi du. Il y a du parcours, il y a du parcours. Du machinois, il y a des trucs comme ça, ouais. Alors moi j'adore le machinois. Et il n'y a pas du shibari? Il y a du shibari. Moins de 18 ans, les amis, on se retrouve à la salle, à plus. Ah, du coup là on fait la queue depuis combien de temps? 4 heures. 4 heures. C'est long. Qu'est-ce que t'en penses Nola? Dégage. Oh, ça va Flo? Ouais, moi je trouve qu'on est guest et qu'on est super fort, on devrait déjà être rentré. Ouais, comme on disait dans la vidéo d'hier d'ailleurs. La vidéo d'hier. La vidéo qu'on a tournée hier, on est très très fort. Bah là quand je suis pas sur le spot, on sent super fort. D'accord. Tiens, tu peux tenir cette caméra? Ouais. Tiens, regarde là-bas. Ah, blessure. Et quoi? Yo. Yay. Faut que tu te décales, je vais passer à l'autre. Ça y est, on est enfin rentré après 40 heures de queue. Et Lola, t'es contente? Elle est contente. Oh là là, ça trix, ça trix. Oh là là, oh là là. Il faut rentrer là. Je viens de voir tellement de combos en full in-back, j'ai l'impression que mon cerveau il va exploser, ça me rend ouf. Du coup ce qu'on va faire c'est que je vais aller training tout de suite, les autres ils ont commencé à s'échauffer, on va se fumer, on va se terminer au training. This man can fly. It's for anyone out there going through a hard time, I got you. Just know you on my mind. Part of me never leaves and part of me never grows. Part of me never sees everything I'm ever told. Too caught up trying to purchase gold that I forgot what it really meant to be whole. Like, yeah, I wish I listened a little more, mama. I wish I understood the struggle in the world, mama. I wish I helped around the crib a little more. C'était une bonne petite session, ça fait plaisir de sessionner avec tous les Français. Et après la session, c'est les battles préliminaires et ça ressemble à ça. We are the ones that are and are not.
Moments later. Ok, il est 2h du matin, je sais pas. Et bah, ça part en session dans l'hôtel. Hein. Ça va, Flo? Aucune idée d'où je suis. Get it! Bonjour. Le hook c'est bien. C'est fatigant. Qu'en pensez les garçons? On est des athlètes, des sportifs de haut niveau, donc forcément il y a obligatoirement ce qui monte doit descendre. Et là ça descend fort. Là ça descend très très fort. Du coup hier c'était le hook jour 1 et du coup aujourd'hui c'est le hook. Jour de l'événement sur le lit. Tu pourrais pas faire un salto sur le lit? Mes pieds sur mon oreille. Mes pieds pleins de merde. Comment réveiller Félix? C'est bon, on est chauffé, on va à la salle. Ok, on se retrouve là. Voilà, donc là, on a fait notre petite session de la journée, on était content, on était bien prêts, et puis, il est venu le temps du night show. Le night show, donc, c'est le plus gros show du Hooked, c'est ce qui se passe le samedi soir, c'est un énorme battle avec toutes les plus grosses têtes qui ont été qualifiées la veille, et, enfin, vous allez voir, c'est vraiment un spectacle de fou. Gotta buy my brother, gotta get it while I live. I don't take no shit for granted.
Et voilà, c'est tout pour ce Hooked. Je sais pas si vous avez vu cet incroyable battle Chaussée et Johan. Le niveau cette année était hallucinant. C'était un truc de ouf. Vraiment, c'était à rendre fou. C'était à rendre fou. Genre, je tremblais à regarder les battles, à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. C'était incroyable. Voilà, j'ai croisé plein d'entre vous, c'était super cool, ça me fait super plaisir que vous passiez me dire bonjour. Merci les potos, merci pour tout, c'était un bête d'event, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura motivé à training plus que jamais. Moi d'ailleurs, je viens de finir d'éditer la vidéo, c'est maintenant que je tourne les derniers rushs et qu'après je finis d'éditer et que je vous la poste et qu'ensuite je pars sessionner. Je vais tuer la session parce que je suis archi déter d'avoir regardé les rushs encore et encore. Bref les potos, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Peace.